Comme de nombreux lieux chargés d'histoire, le château d'Imeji est aussi le théâtre de légendes. Voici celle d'Okiku. La jeune femme était une des servantes de Tessan, samouraï au service du maître d'Imeji. Infidèle à sa femme, Tessan s'était épris d'Okiku. Devant le refus de la jeune femme de céder à ses avances, il fit disparaître une des 10 assiettes d'or dont Okiku avait la charge. Il lui laissa ensuite le choix entre devenir sa maîtresse ou la torture et l'exécution pour l'assiette manquante. Okiku préféra se donner la mort et plongea dans un des puits du château. Nuit après nuit, son fantôme revint et arpenta sans relâche les couloirs du château, à la recherche de l'assiette d'or disparue, jusqu'à pousser Tessan à la folie et le faire chasser du château. Mais l'assiette n'ayant jamais été retrouvée, Okiku aujourd'hui encore revient de temps en temps.